regardez derrière moi. Là, je suis en train d'installer les valises. Et donc, la technique que j'ai utilisée, qui est toute simple en fait, j'ai mis des cales posées sur les pots d'échappement là, pour arriver à la hauteur que je souhaite. J'ai installé les barres avec les trous de fixation. Là. Une fois que j'ai disposé ma valise pile à la hauteur et à l'inclinaison que je souhaite, eh bien, je suis venu avec un marqueur et je les ai marqués. J'ai marqué les emplacements pour les perçages. Et une fois que c'est fait, je ferai un gabarit en carton qui reprendra exactement les mêmes positions pour faire exactement les mêmes perçages, dans l'autre sens évidemment, pour que les valises soient positionnées exactement à la même hauteur et à la même inclinaison. Alors, j'ai marqué avec un stylo peinture qui est utilisé pour marquer le métal quand on soude ou qu'on fait des découpes. Voilà donc le positionnement de mes barres de fixation. Bon, après elles sont un petit peu longues, parce qu'on voit que là, je ne vais pas utiliser ce trou-là. Donc là, je vais les retailler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une règle pour les tailler parallèles au sol, hein, comme ça. Alors j'ai percé ma première valise, donc là je viens de mettre un bout de carton qui va me servir de gabarit, je vais repérer mes trous et j'aurai plus qu'à prendre ce carton là et à le mettre sur mon autre valise pour repérer les emplacements des trous pour être positionné exactement au même endroit. Donc là j'ai découpé mon carton, je vais le positionner pile ici à la jonction, là. Il faudrait que je fasse pareil sur l'autre et puis là j'ai fait un repérage également pour le début de l'angle ici. Donc là je regarde à l'intérieur, ouais. Donc là on voit mes trous, ici, là et là. Je vais faire mes marquages et on va reporter ça sur l'autre valise. Tac. Là, on met des caoutchoucs comme ça, dedans. Là, c'est bon. Et ensuite, il y a une entretoise qui vient se mettre dedans. Pour que ça glisse bien. Je mets un petit coup de WD-40. Alors, voilà. J'ai préparé mes pattes de fixation, donc je les ai retaillées, je les ai repeintes avec de la peinture auto. J'en ai profité pour mettre un petit coup de noir aussi sur les vis, comme ça on les verra pas. Et puis j'ai repercé les trous ici parce que ça c'est lié à mes fixations de 6-6 bars. J'avais besoin de les repercer, et puis bah là je vais monter ça sur la moto. J'ai repercé le trou ici pour l'élargir parce que pour conserver l'écartement optimum pour la mise en place de mon 6-6 bar, j'ai besoin que cette pièce-là elle rentre ici. Voilà ce que ça donne. J'ai mis une bande isolante également sous cette valise, la valise de droite qui va être positionnée juste au-dessus des pôles d'échappement. Alors avant de mettre en place la valise, je vous montre les boulons qui sont à l'intérieur.
Donc c'est juste des boulons classiques de 13. Hein. Et ces rondelles-là sont prévues d'origine. Mais je vais mettre des rondelles un peu plus grosses. Je vais mettre des rondelles un peu plus larges pour que ce soit plus costaud. De ce côté là quasiment à l'identique du côté droit, si ce n'est qu'il a fallu que je les torde un petit peu ici pour que j'ai suffisamment de place ici pour que le bras oscillant travaille. J'ai changé cette vis là pour avoir une tête de vis plus petite. On voit ici c'est plus gros, plus petit. Voilà, pour être sûr d'avoir suffisamment de marge si des fois j'ai un peu de poids dans les valises, que ça vienne pas toucher le carter de la courroie.